C'est bon, elle est lancée ? Je pense, ouais. On teste la VOD. Ah bah, on voit la VOD, qu'est-ce que je dis ? On teste Mulet Magic. Alors, j'ai mis ça en haut parce que je suis dans un... Je vais tester plein de démos, il n'y aura pas forcément le titre, donc je vais le laisser afficher en pas trop grand quand même. Voilà. Un FPS nerveux avec un style un peu anime des années anime urbain des années 80 là. Et on va tester tout de suite et puis voilà. Ça fleure bon les années 80. Cette nostalgie que je n'ai pas, mais qui donne un style assez sympa au jeu. Alors accessible, normal ou challenge. Bonsoir. Con Aiset Bu PRIME. Abonnez-vous, le con, toi même tout ça. Je me mets normal. Recommandé difficulté base de dev. Parfait. On se met en normal. Alors c'est que la démo, le jeu n'est pas encore sorti, je sais pas quand est-ce qu'il est prévu. Et voilà. Ok. Ah mais c'est bon en fait, j'ai pas lu. Connaissez-vous PRIME? Oh la petite musique là. Oh, ça va être chiant le truc en haut. Oh c'est pas grave. Vous voulez plus fort peut-être? De toute façon c'est pour la VOD, voilà, on teste la démo. Et si c'est horrible de fou, bah de toute façon c'est qu'une démo. Je vais me cacher. On parle à qui, à moi? Ah oui. Mais je vous laisse regarder le dessin animé. You enter the Peace Corps Justice app, the number one moderator streaming app. You will enter live stream shortly. Ah! Today's prize? These amazing sneakers. D'accord. To rescue the influencer. Je peux avoir des sneakers? Robot scum. Ah, faut que je... Ah oui, d'accord, c'est dans un monde d'influenceurs. J'avais zappé ça. The first moderator to rescue her on live stream wins the prize. Et oui, on est en live, les gars, on est en live. Location. Right now. Et on va sauver l'influenceuse princesse, je sais pas quoi. Ok. Non, je vais mettre de l'autre côté. Un petit. Oh non, il veut tuer l'influenceuse. Bâtard. Oh les loup-boutings, putain, j'ai vu gagner loup-boutings. Bon bah je vois mon Oli hein, en tant qu'influenceuse. Influenceur en moins, c'est déjà pas mal. On va tuer la concurrence. 90s plutôt, pas 80s. Il a carrément écrit... Enfin, il y a vraiment les années 90 mis sur son blouson. VHS, donc on verra ça. J'ai rien fait encore. Je peux jouer? Ah, let's go, je peux jouer. Parti. J'ai baissé la sensi pourtant. Hein. Allez, à plus tard, Bernard. Bisous, pardon. Bisous, Gaël. J'avais pas vu. Bonne nuit. Ah oh, oui, c'est vrai, je peux mettre... Attends, je peux faire ça. Comment je mets un coup de pied? Oui, ça j'ai compris. Mais comment je mets un coup de pied? Ouais, ça j'essaie, j'ai compris. Je peux dash. Ah, c'est dash pour les coups de pied, ok. Oh, c'est sympa. Oui, merci de me dire comment dash. Je peux voir l'écran, je t'en supplie, le jeu! Kick ou fire?
Vanish enemies with item. Mais j'ai un item là. Ok. Hey moderator, it's official. We are now on live stream. Millions are watching you save our princess. Ouais. We're putting the audience's love into la modération en pleine action. Your blood feels the sweet. You now have 10. Ok, ok, je veux jouer. Eh, franchement, c'est adorable, mais je veux jouer. Laisse-moi jouer. Attendez, ça rend ouf. J'ai enlevé le VHS screen pour voir et show HUD no. Voilà, j'ai besoin d'un écran en fait où je peux voir ce qui se passe. Si c'est possible. Sounds like you passed the test. You're not dead. Ah, j'ai passé le test. Our princess is near. Tracking. You have 10 floors to reach our princess. Ouais, et 10 étages, j'avais bien compris. Here goes. You have 10 seconds. See you later. Allez. Ah, j'ai pas vu le chat. Let's go. Sûr que je peux pas mourir. Invincible. Ouais, je suis pas invincible en fait. Ah mais c'est ça qui me fait mal, je comprenais pas. Ah les poissons. Ah c'est des poissons en hologramme. Je peux prendre le couteau pour faire un finish? Non, je peux pas. Ok. Oui, pardon. Ah! Ça a explosé dans ma gueule! Ok, faut que je fasse gaffe à ça. À chaque fois, j'ai 10 secondes pour faire une pièce. Ah oui, non, mais oui. J'ai vu le chat, mais j'ai pas trop d'avis dessus, quoi. Oui, Hungerfoot, mais Hungerfoot, c'est que, bah, c'est que le coup de pied. Là, c'est du fast FPS arcade, un peu très bourrin. Mais je peux choisir. Je pense que dans Hungerfoot, je peux que faire avec les pieds. Hungerfoot, je l'ai vu en... En fait, le problème, c'est que je sais pas si... J'ai l'impression que dans Hungerfoot, il y a beaucoup de dialogues. Enfin, genre tous les personnages que tu éclates, avant, ils te racontent des trucs. Et du coup, ça enlève le rythme. Mais peut-être que c'est juste une impression, que c'était juste le début qui était comme ça. J'ai vu je sais plus qui dessus. Dame, peut-être bien. Ouais. Et en fait, à chaque fois, elle latait la tronche de quelqu'un avec le personnage, donc Hungerfoot qui est un jeu où on doit juste latter des gens avec son pied. Ça va, Mactic. Oh cool, shotgun. Je vais même pas hésiter. Peace Corp wishes you a good day. C'est Mulette Madjack, le jeu. Vous allez voir le titre, il va. Vu que je vais tester pas mal de démos, je vais rester dans cette catégorie, mais je mettrai toujours le titre en haut. Après, la vibe de Suda est folle. Mais Hungerfoot a l'air d'avoir une très bonne vibe aussi. Très bon style. Oh, je vais mourir. Oh non. Ça va, ça va, ça va. Oh, je suis décédée. Je me demandais si c'était possible, je faisais un peu d'un wack. Et du coup, how to play? Kill enemies to get time. Ah oui, d'accord. Merci. Oh, mais du coup, j'ai pas le... J'ai plus le peupon. Je recommence totalement. Des poissons.
Voilà. On a 10 secondes à chaque fois et si on tue, on a un petit peu de temps. Ok. Non, je joue pas à Fallout 76 parce que j'ai l'impression que c'était totalement une arnaque et j'étais dégoûtée totalement du jeu. Parce qu'ils ont tout niqué. J'y ai joué day one à Fallout 76. J'y ai joué deux jours. Et j'ai fait ok. Ok. Ok, nique-toi, Bethesda. Non, c'était pas... Ah, Bethesda, mais bon, quand même. Alors après, apparemment, il s'est amélioré. Enfin, ça a l'air d'être quand même pas trop macam. Mais c'est gentil. Mactic, c'est gentil. Salut, mais si ou hein. Spend hard money now. King enemy double your sword damage for the next second. Extraction. Ah. See you later. Mais je joue à Fallout 4 en ce moment. Demain d'ailleurs on va se focus sur la quête principale. Fallout. Mais ouais, en fait c'est exactement ça, c'est que ça se voit que c'est un jeu qui est totalement fait pour essayer de voir à quel point leur commu de gentils joueurs qui soutiennent Bethesda malgré tout, malgré tout ce qu'ils ont fait, et ben ce jeu est fait pour vraiment les plumer à fond. Juste pour voir à quel point ils sont malléables et à quel point ils acceptent d'être pris pour des gentils. Alors, je suis fan de Nintendo, je sais un peu ce que c'est. Mais là, à ce point-là, faut pas déconner quand même. Peace Corps wishes you a good and violent day. Mais c'est gentil en tout cas pour ton message. Merde, j'ai pris un truc au pif. See you later. Bah après Starfield, non, c'est pas pire, parce que Starfield, déjà tu pouvais y jouer avec le Game Pass. Donc déjà tu pouvais te rendre compte si c'est ta cam ou pas, en ne payant pas un jeu à 60 balles et quelques. Mais surtout, alors après je sais pas pour Starfield, mais surtout Starfield, c'est vendu comme simplement RPG dans l'espace. Et avec la patte Bethesda, et bon bah moi en fait, c'est bête mais je... Ça se voyait tous les défauts qu'il aurait le jeu quand il a été présenté. Et du coup que les gens étaient surpris, bah, qu'ils s'emmerdent dans le jeu, que les PNJ un peu des gains chelous, parce que ça a toujours été comme ça avec Bethesda et que ce qui était montré déjà c'était ça, et que en fait bah, c'est un jeu qui a un open world finalement assez chiant et assez lassant. Bah en vrai hein, y avait aucune chance que ce soit autrement. Il n'y avait aucune chance. J'avoue que moi, de toute façon, je suis pas fan de ce genre d'ambiance. Donc je... Arrête nos drones. Qui fait un extra... Ah. Non, mais je vais prendre une seconde en plus. C'est marrant, en vrai. C'est sympa de discuter en jouant à ce jeu, même si c'est pas forcément pratique. Oh, quoi. Ah, c'est bon. Vite. Ma souris, elle est où? Allô. Ma souris est sortie de l'écran quand j'ai eu mon finish. Et c'est chiant. C'est chiant. Parce que dans ce jeu, j'ai pas trop le loisir de perdre du temps. Tout à fait. Je m'en rends même pas compte quand je tue les gens en fait. C'est un peu ça le souci. Voilà, faut vraiment que je tue pour avoir plein de secondes en plus, plutôt que d'essayer d'aller très vite. Faut aller vite évidemment. Trop bordélique pour moi. Ouais, c'est très bordélique. C'est assez rigolo, mais c'est très bordélique. Boss killer. The life bar for the night. Oh, cool. J'aurais dû prendre le shotgun.
Alors, excusez-moi, je vais lire un peu plus après. Mais ouais, dans 76, ce qui m'avait un peu dégoûté, c'est tout ce qu'ils ont rajouté comme avantage in-game si tu payais plus. Je me suis dit, non, mais c'est un peu abusax quand même. Ah, la souris. Mais punaise, à chaque fois que j'en finis, la souris sort, c'est chiant. Tu viens de me redonner envie de faire Hotline Miami, c'est malin. Ah oui, il avait l'air cool Hotline Miami. Je fais le tour dans mes viewers. Ah, dans les streamers, tu veux dire? Big Stream, Lux, Poitrine, la 30. Je connais pas le... pardon, le 30. Je connais pas le 30. Je connais Poitrine. Pistol, non. Double Jump. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non. Je dégène de toute façon, c'est vrai ça. En fait, ce que j'aimerais aussi, c'est... J'ai pas vu, mais changer un peu le... Alors, ça fait partie du style, mais... Essayer d'être moins proche, un petit FOV un peu différent. Ça aiderait à la lisibilité. Mais je l'ai pas vu, ça, cette option. Même si je pense que, encore une fois, ça fait partie du style du jeu. Je suis dead set day. Ok, rigolo. Ah d'accord, pardon, ça a niqué complètement le jeu. J'espère que je suis pas restée comme ça toute... Depuis 5 minutes. Ça a l'air d'aller. En fait oui, c'est que plusieurs fois, le jeu me sort la souris du jeu. Et ben c'est chiant. Ok, c'est rigolo. Bon, ça prend... voilà, c'est jeu de dégène. À voir un petit peu si on peut modifier des trucs. Je vais quand même en vérifier. Bon, dans les contrôles, il n'y a pas beaucoup de contrôles, mais un petit peu dans la vidéo... ouais, il faudrait qu'il y ait un peu d'options pour rendre le truc. Ah, le fauve, il est là, je l'avais pas vu, mais... Ah, mais c'est qu'il est... Attendez, je vais tester comme ça. Ah, j'avais pas vu, je suis désolée. Parce qu'il y a beaucoup de... L'écran est très chargé. Je vais tester avec un autre FOV. Bon, là, c'est... Ah, c'est un peu quake, là, mais... C'est un peu mieux, regardez. J'ai mis un meilleur FOV. J'avais pas vu, encore une fois, c'est ma faute. Là, je trouve que c'est déjà vachement plus lisible. Alors, ça reste très bordélique, mais c'est beaucoup mieux. J'avais laissé le FOV de base, j'avais pas vu. Ouais, c'est mieux. Bisous Mactic. Bonne soirée. Eh ben ouais, c'est plus sympa comme ça. C'est plus sympa. Faut peut-être que je le réduise encore un peu par contre, mais c'est vachement plus agréable. Et encore une fois, il a sorti ma souris. Ça c'est chiant. J'ai encore cliqué, je vais cliquer sur des chats d'autres streamers à un moment sans faire exprès, je vais commencer à écrire des trucs. Le but c'est toujours d'interagir avec le décor, avec ton coup de pied. C'est quoi ça? Il y a sûrement des trucs à trouver et tout. En fait, moi je vais un peu trop vite. Il n'y a pas besoin d'aller si vite, faut juste buter. Et quand on bute, ça va vachement mieux. Quand on bute, ça va vachement mieux. n'écoutez pas les enfants. Ok. Ça a banné les viewers au hasard. Ah, quand même pas. Non mais ce serait peut-être... Bref, j'espère pas. Mais oui, vu que ma souris, il me fait sortir ma souris à des moments random, il peut se passer des drames. Vraiment, ça peut... Même si ça donne mal au crâne. Bah j'aime beaucoup. Le son du jeu est peut-être un peu trop fort, donc ça a l'air d'aller. J'ai pas mis trop fort. Voilà, j'ai rebondi. Je savais pas que je pouvais rebondir. Vas-y, là je me dépêche. Ok, là c'est mieux. Salut Etienne!
hein. À peine réussi à tout rattraper les confs, à noter ce qui m'intéresse, que là il y a le NeoFest. Ouais mais le NeoFest ça va mettre aussi en avant une partie des mêmes jeux je pense, hein. En toute logique. Et ben ouais c'est rigolo quand même, j'aime bien hein. On va refaire une run mais... Et du coup c'est un côté un peu roguelike finalement. En même temps, roguelike, ça englobe tellement un milliard de styles de jeux différents. Même pas de jeux, un milliard de styles de jeux. Mince, j'ai raté. Et bah tant pis. Et bah c'est ainsi que je vais arrêter la petite VOD. C'était Mulet Madjack, je vais retourner à l'écran. C'est pour ça que je l'ai mis en haut à gauche, mais on le voit pas. Ouais, je suis désolée. How to play. Non, je voulais pas. Kit game. Mais je voulais revenir au menu principal, je peux pas. Ça semblerait. Wishlist. Si voilà. Mulet Madjack. Rigolo, en vrai. Je pense qu'il peut pas mal plaire si tu fais bien les paramètres pour pas te prendre trop la tête et tout. S'il y a 2-3 petites options qui peuvent te permettre de moins trembler l'écran, ça peut être nickel et le style est quand même assez ouf. Des bisous la VOD.